Gloire à Allah. Bon. Donc, au cas où je ne chauffe, on chauffe la résolution avec la fonction dairy. Je sais ce que c'est que la fonction dairy. La méthode des forces, je rappelle ce que c'est la méthode des forces. Je vais faire l'exemple du passé. Voilà. Nous avons les contraintes, on va calculer les déformations, les déplacements, etc. Il y a un certain nombre d'étapes. On peut les simplifier pour aller plus vite. C'est ce qu'on appelle la fonction d'Eri. Donc, il y a la fonction d'Eri. Bon, ça, c'est un point important, la fonction d'Eri. Parce qu'on va faire l'amel, Inch'Allah. Donc, c'est une fonction à deux variables, puisque je suis dans le plan. C'est toujours dans le plan, hein. Toujours en élasticité plane. Bon, deuxième goulé, elle commande donc, hein. L'examen est terminé dans l'élasticité plane. Tâche 3. Donc, fonction à deux variables, x ou y. Il y a la fonction d'Eri, A, I, L, Y. Alors, dans le cas où les forces de volume sont négligeables, les contraintes, on sera toujours dans ce carnet. Hein. Les contraintes sont données par sigma x égale à la dérivée seconde de phi deux fois par rapport à y. Phi est le lien comme la fonction d'Eri. On va voir, faire un exemple. Hein. Nous sommes deux fois par rapport à y, hein, c'est sigma x. Même les formules, ne vous inquiétez pas. Sigma y égale la dérivée de phi deux fois par rapport à x. Deux fois par rapport à y. Sigma x, y, c'est moins la dérivée de phi, marra par rapport à x, une deuxième fois par rapport à y, ou de l'axe. Qadr nibdab y, ou de x, qui m'a dit. Qadr nibdab x, première dérivée par rapport à x, la deuxième par rapport à y, ou de l'axe, je trouverai le même résultat. Nibdab y ou x, kif. Ça. Alors, c'est la fonction d'y. La khatar chouf. Fait la méthode des forces, qui a un certain nombre d'étapes, les gouttes comme, n'interrompez comme, ne vous inquiétez pas, n'interrompez comme. Mais parmi les étapes à vérifier, qui a une, les équations de l'équilibre. Les équations de l'équilibre, les romans, d'accord, comme je vois les équations de l'équilibre. Les romans, les équations de l'équilibre. Ils aiment vérifier ça. Qui distingue la fonction de l'échelle? Et le club sigma xx égale à phi virgule yy. Heavy. Bon, on a les forces de volume négligeables. Il y a des forces de volume. Les équations d'équilibre, il y a sigma x virgule x plus sigma xy virgule y égale 0. Ça, sigma x virgule x. Sigma x, c'est phi virgule yy. Qui n'est-ce par rapport à x. Tous les phi virgule yx. Nous n'est-ce par rapport à x. Ça. Sigma xy y. Sigma xy, c'est moins phi xy. Moins phi xy, nous avons un peu de y. Nous avons tous les phi y, y, x, nous avons dérivé phi x, y. Pour les fonctions à plusieurs variables dérivables, le sens n'est pas important. Le double x ou le y, c'est le même déjà. Le mohim. Deux fois par rapport à y, ou marra par rapport à x. Ou un kif. Deux fois par rapport à y, ou marra par rapport à x, c'est 9 natija, y'a rien, c'est 0. L'équation d'équilibre, elle est automatiquement vérifiée. Ça. Zéro de kif kif, sigma y, x, virgule x. Sigma y, x, y, heavy. Zid n'ishtaqa par rapport à x. Tout les moins phi, virgule x, y, x. Bon, mourahava, les détails, c'est juste pour les comprendre, parce qu'on va dire, on va dire, on va dire, on va بعد نعطيك لو ديريكت جون فرا في ليكزومبل غير باش تفهموا لوتيليتي تاع حرك سي موان في اكس واي اكس هذه نزيد نستقها بالنسبه لاكس زائد سيغما واي واي تولي لي في اكس اكس واي قلنا لو سونس ني با امبورطون دو فوا بارابور ا اكس اون فوا بارابور ا واي وهذه دو فوا بارابور ا اكس اون فوا بارابور ا واي يعني هذه تساوي هذه بالناقص زيرو يعني كي نستعمل هذه العلاقات هذو ما كان لها فيريفي لي زيكواسيون ديكيليبر elles sont automatiquement vérifiées. هاو الانتيري
n'y a pas que ça. En introduisant les équations 34, dans l'équation de Beltrami 33, l'équation de Beltrami, c'est les équations de compatibilité de déformation, de contrainte, pardon. Oui, je mets ça. Non. Oui. 33. Allez, Laplacien de trace de sigma égale 0. Donc, trace de sigma, c'est quoi? C'est sigma xx. Z et sigma yy, yani phi yy, z et phi xx. Laplacien de h, quand je fais les calculs, vous allez trouver head. Yani ça va faire le Laplacien. Oui, ça vous donne le Laplacien du phi. Ça tourne head la ibara. Parce que là, Beltrami, donc Laplacien de h. Donc, Laplacien de trace de sigma, d'accord, je répète. Pour Laplacien, je rappelle, Laplacien de une fonction, c'est la dérivée deux fois par rapport à x, z est la dérivée deux fois par rapport à y. Mes traces de sigma, c'est quoi? C'est sigma xx plus sigma yy. Ça. Mais sigma xx, c'est phi, virgule yy, z est phi, virgule xx. D'accord? On ne peut pas comme un agro, je te bonne. J'espère que vous me ferez ça. Vaut mieux que vous me ferez comme je te bonne. Donc, Laplacien de trace de sigma, yani sigma عاوش نحب نكالكولي لابلاسيان تاع طاس دو سيغما اللي هي سيغما اي غريك غريك بلس سيغما اكس اكس ولا سيغما اكس اكس بلس سيغما اي غريك غريك كيف نفس الشيء بصح بصح سيغما اي غريك غريك لا فونكسيون دي لي سي كوا سيغما اي غريك غريك سي قلنا سي في dérivée seconde ta phi. Attendez. Voilà, z est... z est phi. Voilà. 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 Sigma y, y, c'est phi virgule x, x, z est phi virgule y, y. Mais phi virgule x, x, z est phi virgule y, y. C'est le Laplacien de phi. Le tarif. Donc, c'est égal à... Donc, c'est égal à Laplacien delta 2... Voilà. C'est deux fois le Laplacien et le Laplacien. C'est ce qu'on appelle le bi-Laplacien. Égal 0. Voilà. Donc l'équation de Beltrami, où je te l'ai dit, Laplacien de Laplacien de phi égale 0. Laplacien de Laplacien de phi égale 0. Il y a les phi et une fonction biharmonique. Donc qu'est-ce qu'on fait? On choisit phi de telle sorte qu'elle soit biharmonique. Qui est biharmonique?
هذه elle va me vérifier directement les équations d'équilibre, automatiquement, بلا ما نفيريفيهم. Même Beltrami, je n'ai pas besoin de vérifier, puisqu'elle est automatiquement vérifiée. يعني نختصر الطريق. Deux étapes, نحيهم. On va faire un exemple. شوف. نوش دلنا. Ah, méthode des forces. Hein. Alterna comme les contraintes, vérifier les conditions limites en contraintes, on bat jusqu'à les équations d'équilibre, il faut vérifier, Beltrami vérifier, on bat epsilon. On a fait juste une première on dit que nous qui le fil, juste direct le epsilon. Donc on a perdu le temps. Voilà. On va faire un exemple. On vérifie pas que l'on a enregistré parce que des fois il y a des c'est bon. Voilà, donc, on va faire exemple. Résoudre le problème précédent en prenant phi, la fonction à deux variables, bien sûr, égale à AY2 plus BX2. On a une question, calcul UP max. L'exemple précédent, où est-ce? Je vais comprendre la figure. Figure théo. D'accord. Donc, nous avons la fonction d'il. Ça. Alors, je nomme les étapes. Les étapes que je vais vous donner pendant l'examen. J'insiste sur ça. Parce que je ne vous demande pas d'apprendre ça par cœur. Ce n'est pas possible. Je vous demande juste pour me comme te faire. Vous allez voir. Mais l'application, vous voyez que ce n'est pas compliqué. مش باسكو هاد اللي هذه كاع واش هدرت هذه جوج باش نفهمكم هذه خلاص هذه ما نجيش نهضروا عليها كاع جوج التطبيق ديريكت تشوف التطبيق باللي لي باغي كومبليك صح بون الحاجه الاولى فيريفي كو في اي بي هارمونيك واش معناتها فيريفي كو لابلاسيان دو لابلاسيان دو في ايكال زيرو شوفوا directement. Je fais le Laplacien, c'est dérivé seconde. C'est phi xx, z, phi yy. Laplacien dérivé, tu les dérivés quatrième, dans le 4. Ça. Je fais le phi qui fait d'air. On dit ay au carré, on dit bx au carré. Le quand dérivé à la barre marrate, vous changez. Ben, c'est pas le chabito, x ou le y. Dérivé à la barre marrate, ben, c'est pas le x, vous savez. Bon, oui, allez-y. دي هي الديريفي اعطوني الديريفي تاعها بالنسبه لإكس شحال تصير؟ سهله ما جو دوموند با غرون شوز سافا تسع ليكزامان هذه اشتقوها بالنسبه لإكس واش تصير؟ 2 بي إكس 2 بي إكس زيدوا اشتقوها اون دوزيام فوا شحال تصير؟ بي زيدوا اشتقوها اون تروزيام فوا شحال تصير؟ زيرو خلاص باش كان عندي كاري برك دونك نوصل للكات راح تروح بزيرو داكور Ça veut dire vérifier les biharmoniques. De toute façon, les fonctions de l'intervalle comme des menaces sont biharmoniques. Hein? D'accord? C'est juste pour vérifier ça. Donc, l'étape, je ne vais pas vous la demander tout le temps. C'était juste pour faire mobiler tout le temps biharmonique. Ça. Calculer les contraintes. Je vais utiliser le point de dérivé phi deux fois par rapport à y. Et je te crois que je vais vous dire y. Dérivé par rapport à y. Qu'est-ce que vous trouvez? 2a y. 2a y. Zid, je te crois par rapport à y. 2a. 2a, voilà. Donc, sigma égale 2a. Vous voyez, ce n'est pas compliqué. Donc, c'est à peu près ce que je vais vous demander fait l'examen. Hein. Ce n'est pas plus compliqué. Hein. D'accord? Il suffit juste de comprendre où je m'attends le phi ou qui va être calculé ou sigma. Mais là, sigma y, c'est la dérivée de phi, deux fois par rapport à x. Zid, je te crois une fois par rapport à x. 2b. 2bx, pardon. Deux fois par rapport à x, 2b, 2b. Sigma x, y, il y a moins phi. Ou je t'appelle l'oubou le bénisbel x, je t'appelle l'oubou le bénisbel x, 2bx. D'accord. Zid ou je t'appelle l'oubou le bénisbel x par rapport à y, je t'appelle l'oubou. Je t'appelle 2bx bénisbel y. Zéro.
0, parce que constante. 0, bien sûr. Donc sigma x, y égale 0. D'accord. Très bien. Donc on a calculé une des contraintes, ça. Donc là, bon, on vérifie les conditions limites sur le contour des générations. C'est la même chose qui m'a c'est les mêmes étapes qui m'a dit. Parce que l'autre mécanisme enregistré. Parce que bon, dans la semaine passée, mais vu que ce n'était pas enregistré, donc je préfère un out. Donc, sur le contour AB, où j'en dis, je me trouve les conditions limites, je me trouve les conditions limites, maintenant. Bon, bien sûr, il faut savoir écrire les conditions limites, c'est important. Les équations avec les conditions limites. Parce que quand tu as les hommes, ça sera enregistré. C'est encore mieux. Chauffe. Ha. Gouna blihna andi pression. Uniforme. Hna ou hna libre ou hna ya. Angelou lihna. Bon, que tu vois, avant. Hna il repose sans frottement. Yanni mahtot, sans frottement, bidon l'ihtikak, sur un sol indéformable. D'accord. Le sol, bon, on est dessiné. Bon, je vais peut-être le dessiner à Kadben Khair. Bon, bref. Où je m'en dis, sur AB, où je m'en dis, sol indéformable, m'en dis, mais une jimch, n'importe quel point de AB, mais une jimch, il y a pas de tête. Parce que le sol est indéformable. Il y a une droite à l'aimé tête. Mais qu'est-ce qu'il va y avoir le sol? Parce que le sol, il est indéformable. D'accord? M'en dis, le déplacement selon X, X ou l'axe vertical. Hein? Le déplacement selon X égale à 0. Hein? Ux égale 0. Au fil, voilà, ça. Z. Ma andish ihtikak. Ça veut dire que j'ai glissé haka, qui m'a fait. Qui ma andish ihtikak. Ma t'as le pouvoir de l'ihtikak, il y en a 0. Il y en a la charge appliquée selon Y, 0. Il y en a T, Y, égale 0. D'accord? C'est AB. BC, هذا الكوتي قلنا كوتي ليبر ليبر واش معناتها ما كان اوكن شارج ابليكي فو جامي لوبليي هذه سهله كاين عندكم اون سيرفاس ليبر ما كان والو معناتها تي ايغال ا زيرو تي اكس تي واي يعني ما كان حتى قوه مطبقه عليها واش معناتها تي اكس ايغال تي واي ايغال زيرو شور سي دي هنايا واش عندي شور اكس عندي بي D'accord. بصح البي في البي في النقطة هذه مثال البي شو كيف داير جي الاتجاه تاعو معاكس مع الاكس يعني تي اكس ايغال موان بي باسكو بي جي هابط والاكس جي طالع تي اكس ايغال موان بي تي ايغريك القوة هكا سولون ايغريك ما عنديش باسكو القوة هنايا جاية بيربونديكولار D'accord, le CD. Yani, m'andish quoi hak. Yani, TY égale 0. TY égale 0. Sur D1. C'est la surface libre. Surface libre, je m'entends TX, TY égale 0. TX, TY égale 0. Ça. Prenez-moi les conditions limites. Donc, on vérifie. Calculez une sigma. Sigma, calculez une. Ça, bon. Alors, qui a-t-il comme la fonction d'Eli? A-t-il comme A ou B? A, B, c'est des constantes. Mais qu'est-ce que je suis allé dans la fonction? Donc, quand je vais vérifier les conditions limites, je vais aller calculer les contraintes. Qui ne peut pas parler les conditions limites? Le but, c'est quoi? C'est le A ou le B, justement. D'accord? Donc, sur AB, AB, où est le tête? D'accord? Donc, la normale, où est la normale aussi, c'est important. Parce que quand je vais faire, je vais dire la normale. La normale, c'est simple, la normale. La normale, how solid est derrière. Je préfère faire ça. Ah. Je refais, je dis la semaine passée.
Oui. Donc, voilà. هاو الصوليد تاع درتو كولوري هكا باش يبان مليح لا نورمال في اي نقطه في لا سو لا نورمال سي توجور توجور بارابور لا سيرفاس على لا فرونتيير تاعو سي تو سامبلومون ان فيكتور يكون بيربونديكولير كيما هنايا بيربونديكولير معناتها هكا الطول تاعو واحد ويكون خارج من الكور تاعي خارج هاو الكور تاعي هذا هو Mais dis d'achel, khalj. C'est une convention, hein? C'est une convention. C'est un vecteur qui a un ittifaq. Il doit dire maintenant. D'accord. Et ça n'a pas de relation avec le chargement. J'ai tout dit, là, j'ai une force, j'ai une... Non, c'est purement géométrique. D'accord. Donc voilà, là, on est dans AB. AB, là, on est AB. On est dans les axes. Parce que c'est important, ça. Si vous avez un bon normal, vous ne pourrez pas faire grand-chose, hein? J'insiste parce que les belles et les fait des examens, ils font n'importe quoi, la normale. Mais allez, j'insiste sur les choses simples parce que les choses simples, elles sont importantes. Hein? Comme les axes. Pardon. On a X. Y. AB, c'est ça. Bon, je vais détailler ça pour AB, parce que je vous laisse vérifier tout cela. AB, où est le tahtani ? Pardon. AB, AB, AB. Voilà. Donc, la normale qui va être dit, voilà. La normale unitaire, il y a un étoile de tahawahed. Aka. Ça. Ah, il y a un étoile de tahawahed. Je vais faire un charge. Charge solide. Je vais faire un charge. دونك شنو هما المركبات تاعها المركب تاعها على اكس شحال هذا الشعاع هذا وهدرتها معليش مي هكا اليوم ريجستر هكا باش تفهموها مليح شحال المركب تاعها شو الاكس باش اكس جي هكا دونك هو الاسقاط داكور دونك طول تاع الاسقاط تاعو على اكس نفسه باسكو دي باراليل دونك طول واحد الاسقاط تاعو على الاكس اكس داكور مي بيسك الاتجاه تاعو معاكس للاكس دونك موان زان شور ايغريك الطول تاع الاسقاط تاعو بيسك متعامد مع ايغريك سي زيرو دونك ان لي كومبوزونت تاعو سي موان زان زيرو في الابي داكور فوالا هاكا انريجيستري عاودوا شوفوها في غرفتكم جو ريفيان Voilà, c'est ça. Donc, la contrainte, c'est 2A. Donc, voilà, sigma x, 2A. Sigma y, 2B. Ou sigma x, y, 0. Ou n, 0 moins A. Attendez. Attendez, attendez. Eh bien, le canal n'ira pas. Possible n'ira pas. Donc, possible n'ira pas. Donc, la n'ira pas, effectivement. Moins 1, 0. Allez, pardon, il faut que je corrige. Il faut que je corrige. Il faut que je corrige. Allez, allez, allez. Où est-ce que je vais faire? Ce que je vais faire, pour ne pas me perturber beaucoup. 0 moins 1 يعني راني خايل اني خاذي الاكس اني خاذي الاكس هذا يعني خلي هذا اكس اني خاذي هذا اكس هذا الله هذا ديرو اكس وهذا ديرو ايغريك يعني اسكو جو في فير نغاردي نغاردي هذوما ونبدل لا فيغور ومن بعد نبدل لا فيغور ونعاود نديرها لكم في الجروب
Donc maintenant, je vais le faire. Donc là, ça va être x ou là, ça va être y. Hein. Je vais le corriger. Je vais corriger. Donc là, ça va me prendre du temps. Corriger un battre. Je continue. Non, je n'ai pas le temps. Donc, bon, là, je vais corriger ça. On va voir. Hein. Soit on corrige la figure, soit on corrige. Non, hein. On va voir. Donc, normalement, c'est moins 1, 0, d'être 0, moins 1, mais je vais corriger un pattern. OK? Donc, la méthode est juste. Hein. Il y a erreur, mais la méthode est juste. Donc, t égale sigma n. Donc, t, t'as le comme. On a comme 0, on a moins 2b, on a galolé ty égale 0 sur b. Voilà, ty égale 0 sur b, donc b égale 0. C'est une donnée hein, sur ab. Ah. Sur ab. Voilà, sur AB, TY égale à 0. Voilà, donc TY égale à 0 sur AB, donc B égale à 0. Puisqu'on a sorti TY égale à moins 2B, donc B égale à 0. Sur B, c'est kif-kif, je mets... T égale à sigma n, la normale c'est 0, 1, Abdou vérifie à 1 comme, Fahand qui va être 0. Donc, on a B égale à 0. Donc, on sait 0, 0, c'est bon, j'avais 0 sur B, c'est bien, j'avais 0, 0 sur B, si vous voulez vérifier après. Ça. Sur CD, kif, la normale c'est 1, 0, on sait moins P, 0, c'est 2 à 0, pardon. Ou le moyen de terre était x, c'est moins p ou t, y, 0. Donc a, c'est moins 1 8 de p. Sur dA, ça marche. On vérifie, mais c'est 0, 0. Okay. Donc voilà. Voilà. On va le calcul du déplacement, vérification des conditions limitant le déplacement. C'est la même chose qui m'a. C'est exactement la même chose. Tout ça. Tout ça, on l'a fait. C'est la même chose. Bon, la période, la partie simple, c'est ça. Le calcul d'intégrale, ça, elle est bien simple. Il faut être un peu... C'est le cas, je suis avec des maths pour ça. Mais le barré, bon, c'est des applications directes. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc, finalement, voilà, on trouve le résultat. Voilà, on trouve le résultat. Voilà, donc moins P0, 0. Et là, j'ai réécrit le résultat en 3D. Je suis en déformation plane, il y a ni UX, UY, U3, 0. Ou en déformation plane, sigma Z, c'est moins nu fois trace. C'est une formule que je vais vous donner aussi. Trace, c'est un petit carré. Hein. Donc c'est moins P0, 0, c'est moins P. Donc c'est moins nu fois P. Ça. Donc là, on me demande de calculer P max. Parce que P, c'est la charge appliquée, mais il faut. Pour calculer P max, qu'est-ce que je fais? J'utilise le critère de von Mises. Le critère de von Mises, je l'envoie. Ah. Formule latérale comme aussi. Sigma équivalent, c'est 3 demi de trace de S au carré. Inférieur ou égal à la contrainte admissible. Le S, c'est quoi? Je rappelle ce que c'est que le S. Le S, c'est... Je suis dans la formule. Mais je l'ai déjà donné et je l'appelle comme le formulaire. S, c'est sigma, heavy, moins trace de sigma, yani heavy, heavy, divisé par 3 fois i. Attention. Qui n'applique les critères de von Mises, on les matrices 3 fois 3, on 2 fois 2 qui m'a non. Von Mises, là. On 3 fois 3. Donc, vous trouvez la matrice S. S au carré, c'est la matrice S fois S. Déroule le produit matriciel. Qui est une diagonale, c'est elle, c'est heavy carré, heavy carré, heavy carré. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours diagonale.
بعد تاخذوا لا تراس تاع اس او كاري و تروفي سا و بعد سيغما ايكيفالون 3 دومي دو تراس دو اس او كاري مي 3 دومي فوا هذه تاخذوا لا راسين و تروفي سا على سكو تروفي انفيريور على سيغما ا يعني لو بي ماكسيمال هو سيغما ا سور راسين دو 1 بلس نيو او كاري مون Voilà. Est-ce que c'est bon pour l'instant? Okay, 12. Est-ce que c'est bon pour l'instant? Très bien. Donc, alors, l'élasticité plane, qui est deux cas, je vais au début. Déformation plane ou contrainte plane. Donc là, pour l'instant, je connais déformation plane. Je rappelle déformation plane, juste un petit peu. Juste un petit rappel. Déformation plane qui te connaît. La même section. C'est-à-dire que vous n'avez rien qui change selon Z. La section ne varie pas suivant Z. Ou chargement fainé qui n'est pas appliqué selon Z. Il est appliqué selon X et Y. Ou les surfaces head ou head sont bloquées. Je mets déformé selon Z. C'est-à-dire déformation. Ou head est contrôlé. Head est contrôlé. Ça. Contrainte plane, c'est autre chose. On va voir contrainte plane. Le CP, les champs de contraintes planes dans le plan OXY sont tels que sigma est fonction de X et Y, kif kif. Élasticité plane, que je sois en déformation plane ou la contrainte plane, on dirait les variables X ou Y, Z mètre j'ai. Ou qu'est-ce que j'ai en contrainte plane? On dit sigma X ou Z égale à sigma Y Z égale à 0. Ça veut dire on dit les contraintes sigma X X. Ou sigma xy, ou sigma yy. Vous avez dit z car 0. Qui met déformation plane? Je reviens à déformation plane. Alors, faites déformation plane. Allez, faites déformation plane, kif kif. On dirait les déformations sur le plan. Epsilon xx, epsilon xy ou epsilon yy. Les déformations z car 0. Donc c'est ce qu'il faut retenir. Hein. Déformation plane. On dirait les déformations sur le plan, les mais 0. Plan xy. Pour faire les contraintes plane, c'est les contraintes. Contraintes sur le plan, bark le plan 0. Comme leur nom l'indique, hein, déformation plane, maintenant les déformations sur le plan. Contrainte plane, maintenant les contraintes sur le plan. Voilà. Alors, dans quel cas Rana fait contrainte plane? Alors, solide, quand le solide est cylindrique, maintenant, même section par rapport à Z, pas forcément circulaire. Pas d'être qu'on a le rectangulaire, de section S et de hauteur L, en général, L, hauteur ou l'épaisseur, hein, donc je vais faire montrer le dessin. L est très petit devant la dimension de S. Voilà, on a okay. Ah, en tout cas, la même section, par rapport à Z. Vous avez comme l'épaisseur plaque, tout simplement. Vous avez le solide est comme sur une plaque. D'accord. Et puis, le chart le chart fini. Bon, je vais simplifier la dragée. Ah, solide, d'accord. Le chargement terreau appliqué, gars, il est dans le plan XY. Il est chargé dans le plan XY.
يعني ما عنديش نشرجمو هكا متعامد على على فوق لابلاك متعامد على لابلاك داكور كي تكون الشكل الهندسي تاعي بلاكا 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 رقيقه بلاكا كيما نقولوا بالدرجه تاعنا ويكون لو شارجمون تاعو كاع في البلان تاعو ماشي بيربونديكولير او بلان نعطيكم نعطيكم مثال طابلة دوكا vous êtes en train de في الصالة كي نقرا ولا دوكا vous êtes en train de m'écouter sur un micro peut-être ou peut-être pas ça dépend mais عندكم عندكم طابلة كنت تخدموا عليها الحضبة تاع الطابلة من فوق بلاكا جي رقيقة بالنسبة بالنسبة للطول تاعها والعرض تاعها داكور البلاكا تاع اللي تاع الطابلة بصح الطابلة هذيك الشرجمو تاعها كيفاه جايز كيفاه يكون جاي في البلون تاعها ولا بيربونديكولير للبلون تاعها خمو معايا شوي فهمتوني ما فهمتونيش نعاود ندير لكم ان ديسان باش تفهموا ها جو فو ديسيني اون طابلة ها جو ديسيني اون طابلة ها هاي الطابلة فوالا 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 هذه هي الطابلة بصح الطابلة راكم تتكاو عليها راكم حاطين عليها امور اكسيتيرا دونك لي شارجمون تاعها يشوفوا كوم سا Ils sont perpendiculaires au plan. Yani, le plaquage de la table, c'est qu'ils sont contre un plan. Parce que le chargement de la table, c'est qu'il y a un plan. Là, c'est comme exemple d'autre, il y a un petit peu de zèvres. Nous sommes comme le tableau. Le tableau de la salle, de la salle de cours. Ah. Tableau. La salle de cours. وجاي جاي معلق الحيط داكور جاي 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 لي بيسور تاعو رقيقه دونك هو ثاني بلاكا بصح لو شارجمون ابليكي للطابلو كيفاه يكون في البلون تاعو ولا متعامد على البلون تاعو خمو شويه جاوبوني واش هما القوة المطبقة على الطابلو هذا واش كاين قولوا لي راهو مفيكسي هنايا راهو هنا نقولو مفيكسي هنايا وهنا نقولو هاي مفيكسي هنا وهنا الثقل تاعو كيفاه كيفاه يكون متعامد عليه ولا في البلون تاعو طابلو هاهو طابلو طابلو لاصق الحيط الثقل تاعو كيفاه يكون متعامد ولا في البلون تاعو ولا متوازي مع البلون تاعو يكون متوازي مع البلون بيان سور هاهو هاهو فوالا هاهو الثقل تاعو D'accord. Au poteau. Bon, je P, le poids. Z, goulou hna ya fixé. Donc il y a une réaction. Réaction qui va être cool. Cool haka. Donc qu'est-ce que vous avez? Donc les réactions تاعو جاي متوازيين مع البلان تاعو كيف كيف كيما الفوا يعني طابلو الطابلو تاعنا جاي الشكل الهندسي تاعو جاي بلاكا اون بلوس الشارجمون في البلان دونك الطابلو تاعنا الي اون كونتر بلان داكور هاو مثال داكور دونك فوالا دونك يلزم اون بلاك يلزم تكون بلاك رقيقه بصح ماشي نيمبورت كال بلاك رقيقه باسكو بلاك رقيقه تاع تاع الطابله نو سا مارش با بلاك لازم يكون بلاك رقيقة والشارجمون في البلان تاع لابلاك كوم لو تابلو داكور هكا باش تكون عندكم اون ايدي تاع الكونتران بلان وشنو هي صح فوالا الو ريزوليسيون بار لا ميثود دي فورس كيف كيف الو اون شارج ان شون كونتران تاع عنده هاد لا فورم هذا باش كان عندي زيرو انا ما عنديش سيغما زيد اون ديفورماسيون بلان عندي سيغما زيد اتونسيون جو نفهم عليه نفهم عليه بون بون روفونير الفرق مع الديفورماسيون بلان سي كو هنا عندي سيغما زيد كون في البلان ما عنديش سيغما زيد عندي هنا هنا برك دونك نخدم بالشون دو دي هذا برك اللي نسميه هكا
je mets deux traits maoudji. Les équations d'équilibre, il y a eu les juges barques qui mal la déformation plane. Sont les mêmes. Le champ de déformation, n'est jamais calculé, voilà, epsilon, c'est la loi Hooke, etc. Je trouve, on dit epsilon x, epsilon xy, epsilon y, ou on dit epsilon z. Je ne suis pas en déformation plane. Mais, est-ce que j'ai écrit ça? Oui. Voilà, il y a un peu de mal. Donc voilà. Donc, je vais dire, epsilon x, epsilon. Je ne vais pas détailler ça parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et déjà c'est une heure moins quart. Je peux le détailler, ce n'est pas compliqué. Chauffe. Heavy, t'as fait comme heavy. Donc, je vais peut-être le détailler. Je vais faire mon anglais. Chauffe. Il faut avancer. Sigma ha écrit derrière. Ha la matrice dit le ha hna. Hakda. Ou je t'amène le canon hada, tsebo epsilon x, hai tu sais oui heavy, epsilon x y. Dit le ha, c'est un petit temblin sré, c'est rien du tout. Epsilon x y, tsebo heavy, epsilon y heavy, heavy 0, heavy 0, epsilon z, machi 0. Attention. Oui, mais puisque L est très petit devant la dimension de S, l'épaisseur, epsilon z, c'est l'épaisseur. Hein. Je m'attends à epsilon z. Déformation selon z. L'épaisseur heavy. Donc, ou est-ce que c'est déformé un peu? Donc, c'est négligeable. Anthony, epsilon z n'a pas d'effet très. Mais si, par exemple, la déformation plane, mais j'ai quelque chose. Pardon. Quelqu'un pièce A, l'épaisseur est très grande. Qui est déformé, on peut avoir des problèmes. Parce que le cadre, tous les trous, etc. Ça peut poser problème. Ça, puisque l'épaisseur est faible, donc l'epsilon z, on le néglige. Parce que l'épaisseur serait là. Donc, c'est pas important. Donc, l'influence de epsilon z est négligeable et uz est négligeable. Donc, la loi de comportement s'écrit, nous faisons direct en 2D. Nous faisons z. Mais qui mal la déformation plane, nous faisons en 2D, ça a un sigma z. Là, la contrainte plane, nous faisons en 2D. J'oublie égal de z. D'accord. Ça. Donc, voilà. Donc voilà, la loi de comportement en 2D que je vous donne, que je vous donnerai aussi, ne vous inquiétez pas. Bon, juste rappeler une chose, parce que quand on a une formule, je vais te faire un mot. Une formule. Qu'est-ce que c'est deux traits, droit, mais le texte. Droit D, les matrices 3 fois 3. Ou qui dit deux traits, mais le fouge, mais le matrice 2 fois 2. C'est ce qu'il faut retenir. Voilà. Ça. Alors, oui, quand les équations de compatibilité qui font à l'air, on a dit 7 A, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, donc on a dit un peu de temps, qui m'a déformation plane. Kif, Beltrami, il y a que heavy, équation de compatibilité qui n'a pas les contraintes. On sait exactement la même chose, on sait laplacien de trace de sigma plus 1 plus nœud divergence de F égale à 0. C'est bidimensionnel. Contrairement à l'autre, déformation plane, on dit 1 plus nœud. Mais je vais vous donner ces formules. Ou qui te cône. Voilà, c'est bon. Remarque. Oui, kif. Qui te cône fauche de volume nul ou la constante, tous les laplacien de trace de sigma égale 0, qui est ma déformation. Mon lacha va marquer. La résolution par la méthode des forces en contrainte plane et en déformation plane est formellement la même, sauf la loi de comportement bidimensionnel. Il y a les étapes qui sont en déformation plane.
أو الإكزامبل هذا تتبع لنا أن سيرتان نومبر ديتاب ماشي فونكسيون ديالي قبل الفونكسيون ديالي دونك نزيد نهضر على الفونكسيون ديالي بالميثود دي فورس تتبع لنا دي زيتاب ها ايتاب 1 فيريفي لي كونديسيون ليميت اكسيتيرا اكسيتيرا كوسون ديكيليبر بلترامي كالكول دو ايبسيلون في الكالكول دو ايبسيلون لاتونسيون كي نستعمل لا لوا دو كومبورتمون بي ديمونسيونيل كاين اون ديفيرونس اتونسيون لا سي لا او توفير اتونسيون Voilà. La seule différence, c'est ça. Dans le contraint plan, la loi bidimensionnelle, elle est ici 1 plus nu sur E moins sigma moins nu sur E dans ce sigma fois I. Vous faites déformation plane, 1 plus nu E sigma moins nu fois 1 plus nu. On dit 1 plus nu, j'y ai d'accord. Fois dans ce sigma fois I. C'est la seule différence. Donc, il faut juste comprendre puisque vous aurez les formules. Il faut faire attention. Là que vous êtes en contraint plan, c'est un bleu. En déformation plane, c'est un bleu. C'est tout. Et je vous le dirai, hadi, vous l'aurez, tel quel. Donc, exemple, refaire l'exemple précédent en contrainte plane avec la méthode des forces. Donc, l'exemple précédent, yani hada. Ah, c'est bien ça. Ça, sauf qu'on va le faire en contrainte là. Ça. Donc les conditions limites, sur le marché de l'argent, on a le retard à la fois, puisque nous sommes dans le plan. C'est-à-dire élasticité plan, nous sommes dans le plan. Donc les conditions limites, nous sommes. Bon, allez, méthode de déplacement. Méthode de force. Voilà. On va faire ça. Nefsichi. Sauf que ma'andi sigma z. Voilà. On va faire ça. Voilà, donc on va faire ça. J'ai dit sigma z, je suis en contrainte plane, donc sigma z égale 0. Donc, on va faire ça. Et bien sûr, c'est ça que nous avons fait. Le chèque de l'état, nous avons fait sigma qui va faire, ou l'U qui va faire, c'est le cas de l'état. Bon. Donc, vérification des conditions limites en contrainte. Kif, kif, les étapes, 900. Condition limite, have. Ha. T égale sigma n, etc. Have. Ce qu'on a vu, même chose sur AB, sur BC, nefsis. Donc, ma out time, ça, parce que c'est les mêmes étapes. On va peut-être regarder les yeux. Donc, c'est la même chose. Hein, c'est la même chose. Mais plus de loi. Donc, on trouve A égale à moins P, B égale 0. Vérification de l'équation de l'équilibre, elles sont vérifiées. Parce que l'air. L'équation de l'équilibre, c'est ça. C'est la dérivée de sigma x par rapport à x. Z est la dérivée heavy fabet, donc 0. La dérivée de sigma x, y par rapport à y, heavy sigma x, y, 0, 0. Force de volume nulle, 0. Z, la deuxième, sigma y, x par rapport à y, x, 0. Sigma y, y, li fabet par rapport à y, 0. Donc, vérifie. Beltrami, kif kif, c'est le laplacien, tu as la trace de sigma. La trace de sigma, c'est A plus B, c'est moins pi. Thabit, donc 0, ça marche. Alors, calcul des déformations, la seule différence, c'est ça. La calcul des déformations, c'est la loi de comportement bidimensionnel en contrainte plane, qui est liée à heavy. Différente de déformation plane. Donc, tu as le dos epsilon, vous avez sigma. Vous avez sigma. Tu as le cas de la loi, epsilon, hi, sigma. Vous refaites les calculs, ça vous fera un bon exercice, ça vous trouverez ça. Oui, ça, on s'en fout de ça. On garde les déplacements de ce chien. Tu as bon, Hadi à la partie sans tâche prière. Là, c'est la partie sans tâche prière. Je l'ai expliqué plusieurs fois, c'est la même méthode. On va dire epsilon x, l'intégrale u de x, on va dire une fonction de y parce qu'on a une fonction à deux variables. Uy, l'intégrale y, on va dire une fonction, etc., fonction de x. Kif, kif, vous êtes à plusieurs fois.
deux fois plus 3. Refaites les étapes, je l'ai expliqué plusieurs fois. Bah, on vérifie les conditions en limite, en déplacement, et voilà la solution finale terrible. Alors maintenant, calcul de Pmax. Je veux calculer le Pmax. Donc, on a fait les matrices 3D, mais on a 0. Sigma 3D. Sigma 3D, je suis en contrainte plane. Moins P, 0, 0, 0, 0, 0. On dit 0, 0, 0, 0, 0, 0. Et je suis en donc, tu es comme moins P, sigma en 3D. Parce que là, je répète, pour Von Mises, on a fait en 3D, les matrices 3 fois 3. Donc, sigma 3D, il y a moins P, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3 fois 3. S, c'est... voilà, donc c'est sigma, il nous bat, tiens, vraiment. Sigma, A et sigma. Moins la trace de sigma. La trace de sigma, c'est heavy Z, heavy Z. Il y a moins P, divisé par 3 fois I, c'est beau head. Bon, juste en passant, heavy good table, remarque. C'est pour vérifier. Vous avez toujours la trace de S, Damon 0. Ça vous permet de vérifier les calculs. Je vous moins 2P, Z, P, Z, P, 0, Damon. Si vous ne trouvez pas heavy Z, heavy Z, heavy 0, phi S, c'est quoi comme calcul? On va mettre S au carré, S fois S, vous faites les calculs. Ça vous fait heavy au carré, plus heavy au carré, plus heavy au carré. Ça vous trouve 2P au carré sur 3. Sigma équivalent 3 demi de 3 sur 3 au carré, donc 3 demi de 2 pi au carré sur le carré, donc ça fait racine de pi au carré, il y a pi. Donc P max, c'est sigma A, tout simplement. D'accord. Est-ce que ça va? On va faire encore un exemple, puis on arrête. C'est bon, ça enregistre toujours. Alors, dernier exemple. Ya Allah, astaghfirullah. Un exemple. Si j'ai mon simple, j'ai un comme Moustabel. D'accord. A, B, C, D. Là, j'applique des contraintes tangentielles. Dernier, un cisaillement sur le côté AB, constant, taux. Sur le côté BC, taux, un de l'étigère. Sur le côté CD, un de l'étigère. Ou le côté HEDA, elle est encastrée. D'accord. On néglige le poids. Résoudre le problème élastique avec la méthode des forces en contrainte plane, puisqu'elle est RERA, etc. L'épaisseur de RERA. Bien évidemment, en contrainte plane. Et trouver ton max. Allons, on déclare. Hadjaloula ou Shni, toujours. De toute façon, ne vous inquiétez pas, je le répète plusieurs fois, ça m'a l'air, il fait da. Il y a un certain nombre d'étapes à suivre. Les étapes, on a un peu comme les étapes. Donc, vous n'êtes pas obligé de les apprendre. Parce que c'est un peu... Bon, on postule déjà sigma. Sigma, A, B, B, C. Il y a des constantes, ça. Bien sûr, symétrique, hein, BB. Je ne peux pas écrire B, C, N, R. Je n'ai pas le droit, puisqu'elle est symétrique. D'accord. Il y a là, au chart, ça. Hadjaloula, ils ont écrit les conditions limites, chouf. Allez-y, chromal. Sur AD, je vous mets les conditions limites. Encastré, je vous mets les conditions limites. C'est important, hein, c'est... Ça, c'est des questions comme ça, 90% est perdu avec l'examen. Il faut savoir écrire les conditions limites. Sur AD, encastré. Je mets les conditions limites. Encastré, je mets encastré. Mais quand je t'ai déplacement, c'est X sur Z. Quel déplacement? S. UX égale UY égale 0. Déplacement selon X égale déplacement selon Y égale 0. Ah. AB. Non. AD. AD. Dites bien. AD. U1 égale U2 égale 0. D'accord? C'est le déplacement.
sur AB. وش عندي؟ TX شحال تساوي؟ L'effort appliqué sur X. Ça, vous avez compris. Ah. En un point, hein, n'importe quel point, elle est uniforme. Avec lui. Chaque deux seuls. TX égale quoi? Ah, vous avez compris. Ah, TX. Ah. Le vecteur, salut, j'ai vu le vecteur. Tout, c'est une donnée. Ah, selon X. Donc ça, si vous n'êtes pas capable de voir ça, je n'y peux rien. Elle dit, mais n'intéresse pas comme je dis. Elle dit, c'est à vous de voir. D'accord? L'effort appliqué selon X, c'est un peu ça. D'accord? Donc TX égale tout. TY, je dis. D'accord. L'effort appliqué selon Y, je dis. عندي قوة عندي قوة هكا شنو Y لا vous n'arrivez pas à voir ها عندي قوة هنا عندي هكا راني نطبع فيها هكا دون سو سونس لا ولا راني جبت ليها هكا دون سو سونس لا من القوة اللي كاين كاع درتهم رسمتهم هنا كاين قوة هكا ما كاش مسيو ما كاش دونك تي غير كي كانتيرو C'est tout, un basique, là. C'est pas assez. Il suffit de comprendre la figure. Donc, T égale 0. Donc, sur AB, T1 égale taux, T2 égale 0. Kif, kif. Sur BC, où j'en ai TX, chal. L'effort appliqué selon X, chal, sur BC, non. Zéro. Zéro, bien sûr. Et sur Y? Non. Tout simplement, rien. T1 égale 0, T2 égale tout. Sur CD. L. T1 égale tout seul. Ou la TX? Moins tout. Moins tout, très bien. Parce que vous mettez max. Ou T2? Zéro. Zéro, très bien. Donc, heavy, je dirais. C'est presque le seul, c'est presque la seule chose les intramoufiha ou c'est c'est pas compliqué, d'accord? Il faut savoir écrire ça. Parce que les matériaux que tu as vu, là tu il faut savoir comprendre la figure où je te mets d'accord? C'est tout. Ou que tu parce que la base, elle est très claire. Ça. Ou le bépéga, le bépé c'est quoi? Le baqi c'est des faut savoir appliquer les formules les formules gagnent mais comme à part une t égale sigma n n'est pas n'importe quoi parce que c'est assez bizarre d'accord parce que là je ne suis ni plus intelligent ni moins intelligent que vous t égale sigma n d'accord elle est pas donc tout le monde dit je vous t'apprends donc vérification des conditions limites en contrainte Sur AB, T égale sigma n, la normale. Nous livrons la normale. Sur AB, attendez les composants de la normale. NX, voilà, il faut tenir qu'il y a ça, savoir écrire les conditions limites, ou t'as foutu pour la normale. Parce qu'on a insisté, parce qu'on échoue, la loi les caractères même d'ailleurs. Je ne vais pas dire la majorité, mais presque. Mais ils ne savent même pas écrire la normale. Parce que moi, je fais la normale. Pas normal, c'est tout simplement le vecteur perpendiculaire au tol de la ou au charge, au charge de solide. Alors, la normale selon X, c'est le AB, sur X, 0, sur Y, 1. D'accord, tout simplement. Donc, la normale, c'est 0, 1.
Donc sigma هاي AB BC 0 انتحلكم BC تساوي طو 0 باسكو طو هادي هذوما. Donc B تساوي طو C تساوي 0. Bon le but de ça c'est quoi? C'est de نسيبها لي كونستانت. Attention, le but de la hikaya c'est trouver les constantes. Ça sur BC. BC la normale NX شحال est égal à 1 ou c'est égal à 0. Très bien, voilà. Donc voilà, bon, il y a les exemples qui sont en train de faire. C'est presque, oui, car les exemples sont comme moi jusqu'à maintenant. Gare, c'est des problèmes homogènes. Yanni, où je m'entends. La valeur de la contrainte, c'est pas là, c'est pas là. Parce que je suis, c'est des problèmes homogènes. Sinon, je ne suis pas là. Je fais B, c'est à tôt. C'est à fait AB. C'est à fait BC. Parce que la contrainte partout pareil, c'est un problème homogène. Donc A, C, c'est 0, A, c'est tôt. Ou le B, tôt. Ou le A, c'est 0. 1, 0, donc on a A, tôt. C'est 0, tôt, c'est mon faillite, sur le BC. 0, tôt. Donc A égale 0. D'accord. Donc c'est des mêmes choses. Hein? Donc voilà. Donc c'est le A ou le B ou C. Qu'est-ce que les constantes A, B, C, c'est pas la peine de camélo, ça suffit. C'est pas la peine de camélo le bac. Ça venait à home, c'est bon. Ça. Équation de l'équilibre, je me vérifie équation d'équilibre. Équation d'équilibre, c'est quoi? C'est des constantes, comme chez Finale, hein? C'est des constantes. A, tôt, A, ou le A0, etc. C'est des constantes. Mais équation d'équilibre, c'est ça. On dit force de volume nul, donc. En plus, notre homme comme donc il suffit juste d'appliquer. Ah, sigma x tiré, c'est à 0. Donc, c'est à 0, c'est à 0. Sigma x y, c'est à 2. Tout le monde est à 0, c'est à 0. C'est à 0. Tous les 0. 0. Fx, mais on a 10 forces de volume. Donc, on a 0. Donc, c'est vérifié. 0 égale 0. Sigma x y, tout, c'est à 0, c'est à 0. Sigma y 0, 0, c'est 0, donc 0, 0. Donc les équations d'équilibre sont vérifiées. Donc voilà, donc c'est pas compliqué, surtout sigma. Alors, on va faire comme un peu de qui va l'examen. Puis tu sais, bon, le cours peut, je comprends que le cours, il va comme vous avez dit, parce que je dis dans les com, etc. Vous avez eu beaucoup d'informations, beaucoup d'informations, qui font très bien. Donc je comprends. Je comprends, mais je dis comme vous avez, d'autant plus que nous avons. J'ai mis du temps pour comprendre tout ça. Il ne faut pas croire que je l'ai fait tout de suite. Hein. J'ai mis des plusieurs années. Donc, je ne vous demande pas de comprendre tout. Je vous demande pas de comprendre tout. Donc, il y a un petit effort, c'est le crash. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Où est-ce que j'en étais? Et une équation d'équilibre, c'est bon. Beltrami, c'est Laplacien de trace de sigma égale 0. Trace de sigma, je veux dire. High sigma. Sigma, Gunna, c'est 0. High sigma. 0, tôt, tôt, 0. Donc, trace de sigma, je vais faire. 0, A égale 0, c'est bien, A égale 0. Donc, la trace, je vais faire. La matrice, je vais faire. La trace, je vais faire. Tôt. La trace, c'est la somme des termes diagonaux. A égale 0, c'est bien. A égale 0, ouais. Donc, on a la trace chale. A au carré. Là. La trace, c'est hada, zéid hada. Somme des termes diagonaux. C'est bon, comme on a dit, maïa. Ou A égale 0, c'est bon, classe, A égale 0. Donc, hada 0, zéid 0, j'ai
سي بون مركزين معايا ولا ما تبعتونيش؟ لا تراس سي ا ا سي 0 يعني ا و ا ايجال 0 يعني لا تراس ايجال 0 سي بيان سا صح وما جاوبتونيش مي جيسبر كو فزابي كومبري دونك لابلاسيان تاع تراس لابلاسيان تاع 0 شحال نجمو لابلاسيان سي لا ديريفي سكوند بارابور ا اكس زائد ديريفي سكوند بارابور ا ايغريك La place est à 0, je le sais. Ah, ah, c'est bon. La trace de H, c'est 0. La place est à 0, c'est 0. Parce que 0, 0 dérivé, c'est pour 0. Donc c'est vérifié. L'équation de Beltrami est vérifiée. Le tenseur de déformation, on a l'extérieur de la tension. On a l'extérieur de heavy. Je suis en contrainte plane, quelle est la différence? Quelle est la contrainte plane, pardon? Contrainte plane, yani, n'est-ce pas? Ah, contrainte plane, ah. Trace de sigma égale 0, je suis là. Yani, tu prends les heavy, par contre. Voilà. سيجما عندي دونك فوالا هايس ايبسيلون ومن بعد هذه لا بارتي سامبا هذه لا بارتي سامبا بون تاع الانتيغرال اكسيتيرا ميم ميثود شوف بون فهمتها بليزيور فوا معليش نزيد نفهمها باسكو نبارلو بيانتو ماريتي دونك وي اونسويت يا لي فونكسيون ديري شوف نهار الثلاثاء فونكسيون ديري نهار ثلاثة مور الكور تاعي تقراو عندكم كور مور الكور تاعي وي ميسيو عندنا عندكم داكور ميسيو بن مصر بن مصر داكور ايه دونك هذا جوري باسكو Epsilon xx, c'est 0. C'est la dérivée de ux par rapport à x. Yani ux, il y a l'intégrale de z de epsilon x par rapport à x. Donc, c'est une fonction de y, parce que ux est une fonction à deux variables. Parce qu'elle est une dérivée partielle. Allez, parce que heavy dérivera par rapport à x, c'est bon 0. Ça marche. Uy par rapport à y, c'est 0. Donc, uy, c'est une fonction de x. Mais ce n'est pas des constantes, parce que c'est des fonctions à deux variables. هذه سي ان بو هذه بانت لي شويه جاتكم على باش تفهموها مي هذه لا باري لا بيريود اللي شويه سانتاماتيك لا لا هذه لا بارتي شويه سانتاماتيك ان بو سوبتي لا كومبران سا ايبسيلون اكس واي نعرف لي فونكسيون كيفاه ندير نستعمل ايبسيلون اكس واي ايبسيلون اكس واي سي كوا هاي سي ان بلس نجر او فوا تو ان بلس نجر او فوا تو سي ان دومي دو لا ديريفي تاع هذه بارابور ا واي يعني اف بريم واي plus la dérivée de heavy par rapport à x. Il y a 1,5 de f'x, y plus g'x. Donc, on dit heavy delta y ou heavy delta x. La somme de tous les deux, quel que soit x ou quel que soit y. La seule possibilité, c'est que la seule possibilité, c'est que heavy est concept ou heavy est concept. Parce que quel que soit x ou s ou y, mais le majmour de tous les deux est concept. Le majmour de tous les deux ne dépend ni de x ni de y. يزم هذه تكون ثابتة وهذه ثابتة سي ان سوبتيليتي ماتيماتيك ا كومبروند سي تو دونك هذه شويه سامبل دونك هذه اف بريم دو اكس يقال سي جي بريم دو اكس يقال دي انا دونك سي بلس دي من هذه نعوضها بسي نعوض دي دونك سي بلس دي يقال دو فوا هذه فوالا
بعد ux égal à f de y f de y qui n'intégrer f f prime qui n'intégrer par rapport à y pardon. Donc f de y c'est c y plus une constante. Donc c'est des fonctions à une seule variable. C'est des dérivées totales. Donc c y plus f ou had intégré à x le g y ou il n'a pas votre direct, d'accord. Donc ça va faire c'est dx ou d ou hada, d ou hada c, voilà, à votre direct, z du constant g. On va à la dernière étape, vérifier les conditions limitant déplacement. Les conditions limitant déplacement, on dit n'a pas de on a dit ux ou y égale à 0. Ça, on a où je dis on dit x égale à 0. D'accord. Sur AD. On est là. Ça. Donc. Où est-ce que j'en étais? Ah, voilà, c'est ça. Sur DA, x égale à 0, les conditions limitant de déplacement donnent ux égale à 0. On a voir ux. Égale à 0, x est là. Donc si y plus f égale à 0, quel que soit y. D'accord. Donc si f ou f sont égales à 0. Ou y égale à 0, quel que soit x, donc si f. Attendez. Y égale à 0. Ah oui, x égale à 0, pardon. Donc on a voit x égale à 0 là. Donc, tout y, tout les g, bon, là, je n'ai pas détaillé. On a x égale à 0, donc, il y a tous les g, ou g égale à 0, voilà. Donc, la solution finale, c'est ça. Ux, 0, uy égale à ça, ou sigma égale à tout. Donc, maintenant, pour calculer ton max. Attention. Là, je termine les matrices 3 fois 3, pour le critère de von Mises. S, c'est sigma, moins trace de sigma sur 3, trace de sigma 0. Quel contraste de sigma 0, S tu sais oui sigma. Mais fait la chasse à elle. Donc S y est sigma. S au carré, c'est taux fois taux, heavy fi heavy, produit matriciel. Vous trouvez ça. Faites le calcul. Sigma équivaut dans racine de 3 demi trace de S au carré. Yani, trace de S au carré, c'est 2 fois taux au carré. 2 ma 2 roch, donc c'est ça, racine de 3 taux. Donc taux max. Donc racine de 3 taux inférieur ou égal à sigma admissible. Donc le taux max, ou A, c'est. Donc, taux inférieur ou égal à sigma admissible sur la racine de 3, on va avoir le taux max. Voilà, bah, tu peux parler de la fonction de l'île, viens à droit lire, Inch'Allah, notre la fin. C'est bon, est-ce que vous avez des questions, les Haja? Bon, je vous la vidéo si vous n'avez pas compris des choses, ou notre la fin, Inch'Allah, si vous avez des questions. Sahaïto, salam alaykoum. Merci, monsieur. Barakallahu fik. On dit comme la vidéo fait le groupe.